Nous sommes demandés, une première lecture, nous demandons qui ça. Qui ça vient pour nous à Jésus, roi de l'univers. Il a dit, roi David, qui est déjà roi déjà, il réunit tout ancien dans la ville et moi. Et puis même c'est de là, il reconnaît lui, moi, ce qui est Israël. On dit les mots contradictions dans poser ça. On m'explique pour les contradictions en sortie. Lorsque Saül finit de respecter mon Dieu rejette Saül, il choisit Jeune David, ce n'est pas toute tribu, ce n'est pas 12 tribus qui acceptent David pour moi. C'est seulement 2 tribus qui acceptent David pour moi. L'autre 10 là, c'est-à-dire les tribus du sud, c'est-à-dire Jérusalem, la capitale, ils ont parlé. Laisse Saül tomber, ils ont dit ouais. Finalement, il faut nous réunir pour nous affronter. On y a là, il faut les délégués, dans toute notre tribu, venir rencontrer la tête, comme on a capable de dire, neutre entre deux royaumes, pour dire David, n'a pas vidé l'huile sur tête fois ça. Pas pour moi deux tribus seulement, mais pour moi tout Israël. Et symboliquement, David roi pour 40 ans. David passait 40 ans. C'est-à-dire réunion, c'est une réunion qui a préparé une nouvelle ère pour Israël. Parce que chiffre 40, c'est chiffre accompli. Soit on est 40 ans, ou la page est petit, ou on est 20 ans. Parce que 40, c'est chiffre accompli. Et pour les fins célébrer 40 ans, c'est grand monde. Biologiquement parlant, physiquement parlant, mais plus grand toujours, psychologiquement parlant. C'est grand monde où on est quand on est accouché. Si vous n'avez crié, la vieille Nintendo. Ah, d'accord. Sous moi, on a un cassa, on a fait un petit monde qui vous pouvez faire. Ou on a un petit monde qui a crié, ou occupé, et puis n'est pas là, la joué, la vieille game. Mais pour lui, il est capable. Même mon direction, il est au caillou. Alors, David régnait 40 ans sur Israël. Et pour qui ça? Liturgie matin pour David, comme premier exemple, avant de parler de Jésus, c'est Saint-Luc chapitre 1er, à partir du verset 26, il va faire comme ça. Laisse l'ange apparaître devant Marie. Là, il dit le petit Pia. C'est quoi le petit bon Dieu? Qui ça le dit? Il dit, il siégera sur le trône de David, son père. Et son règne n'aura pas de fin. C'est pour faire nous comprendre que bon Dieu tellement respecté l'humanité. Là, quand Dieu voyait Jésus, il n'a pas obligé de faire petit diable pour les mots. Il n'a pas voyé aux anges. Même si j'ai deux ans, il va faire des mots. Il va faire une bouche de l'eau. Dans tout côté, Daniel était tombé. Il n'a pas voyé aux anges pour venir délivrer nous. Non. L'homme décide de sauver toute l'humanité. Par respect pour l'humanité, il fait petit qui semble avec nous dans nous. Il passe dans votre mari, et bien il suit, lié, nos familles, la grâce de David. Et nous sommes de dire, nous, par contre, si tout le monde est ça, si Joseph n'a pas accepté pour un petit là, il ne pas passer. Prophétie, nous, pas de petit, parce que nous disons, il sera appelé fils de David. C'est-à-dire, il prend héritier trône, grand papa. Donc, comme David a accepté, David était mon Dieu et Joseph était mon ami, mon exemple. Il a des détails. C'est un exemple de mon Dieu. Si aujourd'hui, il y a les 12 dix ou je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je alors, David Joseph, pour aller petit là, nous, David, et c'est à cause de Joseph, héritage royal Jésus, pour aller établi. Normalement, dans toute famille royale. Parce que dans toute famille royale, pour une petite montée de moi, il faut une petite légitime, ou à cabriner. Alors, on y a comme dit nous dans la Bible, dans le Saint-Testament, dit nous, son seul monde qui voit Israël, Israël va lui dire que Dieu lui-même. C'est une peuple théocratique, c'est-à-dire, c'est bon Dieu qui a dirigé directement. C'est sa théocratie, il dit. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de Dieu qui mène ce peuple. Et nous venons dans le verset 12, ou bien deux. Premier livre Samuel, chapitre 12, verset 12. C'est le Seigneur qui est votre roi Israël.
Les peuples là autour, Samuel, ils disent Samuel, bon nous roi, même j'ai pas payé, Samuel triste. Parce que nous connaissons l'Éternel qui voit nous. Comment nous faisons nos droits dans l'autre nation? C'est juge nous qui nous dirigeons, Samuel c'est gagné. Mais vraiment, c'est un lève, c'est un peuple théocratique, c'est-à-dire Théos, Dieu, Kratos, Kathéine, pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu qui dirige ce peuple directement. Le seul peuple qui fait pour ça sur la terre. Le nous regardons dans Jérémie chapitre 10, verset 10. Il dit nous, moi, le Seigneur ton Dieu, je suis le roi éternel. Et bien on voit pour deux jours. Reine Elisabeth, où est-ce que l'anglais aurait les piles du racel parce qu'elle est capable d'aller. Ouais. C'est reine, et dans le temps moderne, c'est reine qui est longue. C'est pas, il y a pas comme ça là. Chaque fois un journaliste dit comme ça, sans penser de nouveau président américain. Pour nous qui veut pousser de Dubaï, journaliste, pas besoin de penser à rien parce que ça va être tout, nous le mouvons à l'autre. Parce que c'est la deux présidents américains, pas vrai. Madame Nalbé, nous n'avons pas fait 19 ans ou bien 20 ans, c'est vrai. Nous avons madame Nalbé, nous avons une bonne année. Il va faire des bagailles. Tandis que, reine Amsterdam, la Hollande, reine Nalbé, nous sommes nous, il réécrit, il a dit que pour faire petit peu de place, de même ces deux bagailles-là, ou à l'espagne en fait, enfin le petit peu, même madame ça a tout le bagaille à reine. Et nous connaissons en Haïti, mentalité haïtienne a rejoint la Bible. Haïtien son peuple biblique, ça ne va pas faire, non? La Bible dit comme ça, autorité femme plus reine que autorité garçon. La Bible en histoire deux reines, pas plus. Tous les deux et en âge, même pas moi. Athalie, tout y est tout petit cri pour qu'elle ait pouvoir contre lui. Jézabel marchait sous sang seulement pour l'établir du pouvoir. Deux femmes seulement. On n'a pas besoin de voir nous dans l'histoire. On n'a pas besoin de parler nous de Cléopâtre. Reine d'Égypte, pas besoin de l'histoire. Donc, on a rencontré un homme haïtien dans la mentalité, semblé à la Bible. En Haïti, nous disons ça. Et toi, on a fait un gars au garçon, on a fait un gars aux femmes. Vous dites ça fort. C'est un Seigneur qui t'a guéri. Le gars aux femmes, c'est l'antenne, on peut l'aller. Vous dites ça fort. Elle a dit tout ce qu'on peut nous résoudre. Il a pas de il a fait monsieur, il a nous boumé entre nous-mêmes, il a cassé dans l'autre, parce qu'il a gagné de la famille. C'est une chambre, il m'a dit que j'ai l'air de chapeler des papas. Donc, on a encouragé un garçon à des problèmes. C'est mauvais, il nous a guéri. Alors, si c'est mon Dieu qui voit, ou qui s'appelle plus demander une voix, le peuple a demandé une voix, parce que le peuple là, pas vraiment pour mon Dieu. C'est un prophète pour Isaïe qui m'a dit ça. Ce peuple est au nord de l'air, c'est dans la bouche qui fait loin de moi. Mais son cœur est loin de moi. Ça, c'est Isaïe. Et c'est ça que vous avez le roi. Et vous avez le roi. Vous avez le premier roi, c'est ça. On est qui t'a bien débrouillé pour papa. Et puis, mon Dieu, vous avez choisi. Il a d'accord que je vais onction, l'huile sainte, la langue divine, la levée est mort. On le connaît sans pas lever. Bon Dieu rejeté. Sans nous mourir, bon Dieu rejeté. Bon Dieu dit, ma propre pouvoir dans mon, ma baille l'autre monde qui dit, et puis il m'a un jeune petit garçon, un petit monde. La Bible dit, il est tellement jeune, figure de guerre rougeur toujours. C'est-à-dire, il m'a quand même bien formé, c'est ça, ça veut dire. Si David, bon Dieu m'a loin, comme roi d'Israël. Et David, pour symboliser, grand roi, qui va venir, il sera roi. Et il siégera sur le trône de David, son père. David va le rédé, symbole tout le roi d'Israël. Mais David, c'est pas le vrai roi. C'est descendant Seigneur qui va le roi. C'est-à-dire le fils de Marie, le Messie promis par Dieu depuis les temps anciens. Et le nous garder dans Luc chapitre 1er, verset 23, Saint Jean déjà dit Marie, petit roi, son roi, il régnera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Nous allons dire tout à l'heure dans le credo, son règne n'aura pas de fin. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui roi. Et Jésus lui-même, une seule fois dans la ville, il dit que c'est roi. C'est le juge. Jean 18, verset 36 à 37. Les Pilate dit Jésus comme ça. Est-ce que c'est roi, oui? Jésus dit qu'il sort, il dit c'est ça. Mais, royaume n'est pas bon ici. Parce que roi de la terre, c'est Matthieu chapitre 20 qui dirigeait, il fait sentir l'autorité. Ouais.
Yo apprend même psychologie, l'homme de Washington. Et moi, je suis le responsable de la gagne. La frappe est responsable de la gagne, je suis le chef. Parce que je suis le chef. Et nous, il est sécur, il est problème. Yo, il y a un chef qui va mener nous, on ne peut pas nous sous la gagne. Pour nous, sous toute la gagne, il y a un problème psychologique. Parce que le vrai chef, là, j'y vais ici. Vrai roi, pas dire c'est moi. Il agit dans mon roi. Chef, car il a pas besoin de répondre. En plus, papa ici. Je ne vais pas dire papa moi-même. Et exactement, plus de problèmes de l'information, bonne paix. Parce que je suis un peu rebelle, là, moi qui n'a jamais fini. Et ça, psychologue, il m'a dit c'est parce que je ne vais pas dire papa. Je ne vais pas dire garçon. Le nom classe, comme c'est fini, chef. Bien. Et puis, c'est garçon, chef, en agent. C'est ça, c'est la combo, c'est ma vie, c'est une déjeuner malheureuse. La combo, c'est ma vie. Alors imaginez-nous, que vous avez une responsabilité, et vous avez demandé la monnaie pour faire votre autorité. Vous avez une responsabilité, et vous avez dérespecté la dérespecter pour montrer ses chefs. Il y a un pouvoir pour servir, et puis c'est l'autre qui fait mettre à genoux pour servir, tandis que c'est lui-même qui a un pouvoir avec grâce pour servir l'autre. Ça a duré un peu. Et je dis, on va poser peut-être une question ça. Qui a dit des rois, Jésus? On y a ces servis qui m'ont dit. Un roi souverain, un roi crucifié, un roi humble. Jésus va reconnaître comme moi pendant que je suis dans son chaise. Bien habillé avec une sainte d'or dans la main. Et reconnaît moi au galère. C'est sous galère qu'il reconnaît. Et pendant trois fois, tentation diable qui fait au commencement ministère, dans Saint-Luc chapitre 4, pendant trois fois, il aurait tenté de le voir. Où sauvez-vous? Où sauvez-vous? Où sauvez-vous? Où Dieu s'est dit, bon Dieu, descendez sur quoi? Pendant trois fois, il aurait tenté de le. Mais il n'a pas parlé. Ouais, le silence de Dieu. Ouais, pas de plus beaux armes que le silence de Dieu. Et c'est ça que le monde n'a pas besoin de Dieu. Parce que le monde a besoin de lui. Si mon Dieu l'a fait, sans tout là. Ouais, c'est vers mon Dieu à l'école. Mon Dieu va faire bruit dans le silence. Si vous avez bruit, il va comprendre Dieu. Parce que la Bible dit tout pour merveille, il fait en silence. Les Jésus va ressusciter, le monde va connaître. Si il n'est pas connaître. Bien que théologie protestante, bien que chez lui, théologie protestante. Parce que, après ça, par contre, ça peut passer dans la tête vergogne. Pour ça, il va apprendre, il va parler de lui, il est obligé de prêter bagage dans les protestants. Je ne comprends rien. Non, je ne comprends rien. Moi, je ne suis pas chef. Sauf ma frère, c'est ça. Ce général est un chef, il n'a pas. Quand on est mis à moi. Parce que, tu ne peux pas apprendre. Donc, on est sauvé pour faire après les têtes, pas de rien comme ça. Alors imaginez-nous, les Jésus ont ressuscité par qui vous faites, protestants ont dit de ressusciter à 3 ans. Son théologie protestante dit, Jésus va ressusciter à 3 ans. La Bible va dire ça aucun côté. Pour nous qui vont dire la Bible. Les Jésus va le faire. Satan va quand même le faire. Parce que vous êtes dans le silence, nous dit qu'on est des prêts. Et les mon Dieu décide de parler, c'est créer la prière. L'aime décide de faire silence, c'est sauver l'âme sauvée. Parce qu'elle n'est pas sauvée dans le lui, il est sauvée dans le silence. Jésus crie sous moi, papa, pourquoi ils ont abandonné? Papa n'a pas répondu. Parce que papa connaît la finalité souffrance petite là, c'est la glorification de son nom et le salut du monde. C'est pour une plus grande grâce pour un blé souverain. Et le quitté petit lâche qui m'a répondu. Et nous avons une souffrance. Et nous regardons ça, oui. Sauf dans le dire, ça, c'est ça. Où est-il ton Dieu? C'est pour dire maintenant, il est fou là. Où est-il ton Dieu? Il est fou là. Il est toujours là. Pas quitté. Si philosophie humaine, il vit l'horloge. Vivons des réflexions. Aussi mon Dieu est là, le monde attend. Nous, on a vu ça, c'est des millions de gens en fois qui méchant pour nous. Si le monde est mauvais, c'est l'homme qui fait ça, il va manger. Ils ont été ensemble pour nous vivre une pour nous vivre ensemble. Ils ont fait tout pour mon Dieu. C'est nous-mêmes. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Il est toujours là.
pas comprendre ce qui a passé. Il a. Elle m'a dit, non, 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 Dieu est là. Toujours là. Non, 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 il a. Les bagages sont bons. C'est lui qui l'a toujours. Là, il n'y a pas pensé lui-même qui l'a. Et c'est lui qui a pris le contrôle. Tout bagage. Puisqu'il est roi de l'univers. Il est omniprésent. Il est toujours là. Tout partout. Et même dans le moment qui est plus extrême dans la vie, là, l'homme attend des bruits de mon Dieu, c'est les sacs là. Il y a des bons petits bagages, il y a des bons trucs, mais par contre, ce qui nous dit, les petits textes avant moi, il y a un nègre qui a marché sous sable avec Jésus. Et puis, à un moment donné, il a marché sous sable là. Et puis, mon moment, il dit, bête, c'est comme si moi, c'est pied, ma pied, c'est dans moi, côté ma pied, pas. Jésus dit, l'homme, c'est ma pied, ou seulement, ouais, c'est parce que c'est sous dos, c'est moi qui a marché, c'est pas moi. Ouais, il est toujours là. Mais vous n'y avez pas de souhait que roi ça. Jean Isaïe 53 dit là, c'est par ses blessures que tu seras guéri et délivré. Il a connu la passion, la souffrance et la mort pour que tu sois en vie et victorieux du péché. C'est pour ça que Jésus souffrit. Un roi souffrant. Le monde tombe son scandale pour un roi c'est dans l'état salé. Tandis qu'il est le vrai roi. Si on a pas choisi entre un bel chemin qui est pleu et un chemin qui est misère, Mardi nous a couru blanc. Chemin fleur, parce qu'elle est facile. Tandis que c'est chemin qui est clou, c'est là, mettre là. Après midi, moi-même avant, mon Dieu fait l'invitation ça. Est-ce qu'on pense au roi ça, les dit, pour le réunir sur la vie? Est-ce qu'on pense au roi souffrant ça, ou à crucifier ça? Est-ce qu'on pense le digne pour le régner sous famille? Est-ce qu'on pense le digne pour le régner sous activité? Est-ce qu'on pense les dignes? Régner sur toute existence, sur le projet. Si oui, on a un bon royaume. Si oui, on bon. Pour ça, après-midi, après-midi, et mon aimé là-dedans, pour nous entrer, j'ai fait même dans le royaume, nous ça. Parce que c'est lui-même vrai, qui est vrai roi. C'est pas nous, toi, roi, lui. Roi, papa, roi, consort, roi, quitter Georges. Et là, roi, roi, ça. Et même il est le vrai roi. Et bien, on va toujours dire à vous-même, mais tout autorité sur la ciel, dans la ciel là, tout a fini, tout vient pour expirer. Ouais? Tout a expiré, on va dire que on va dire des longtemps. Et puis, vous pouvez m'entendre la maison de Dieu, pour chaque pas éliminer avec ma vie. Ou président, on va pas président blanc. On mandat au bail. Reine Elisabeth. Parlez de l'autre, règle de défier l'existence. Mais t'as l'air à mettre les noms. Dis-lui, ma rapide de nom. Nous avons fait ça là pour nous donner un père. Allez, le père va quitter les sortes. Alors, tout ça, on va faire, on va frapper pied, on va nous pipi. Il ne sait pas où c'est, où est-ce que vous voulez. On va nous dire maintenant à la recherche père. On va voir le petit père ou pas la petite père. Et nous, il est c'est pour ça qu'on va parler de tout au passé. Pas même passé proposé, non. Passé simple. Alors, si c'est comme ça, on va galérer. C'est pour nous faire bonne pitié. Pour nous entrer dans le royaume. Parce que c'est là-dedans qui est la paix. C'est là-dedans qui est justice. C'est là-dedans qui est cœur posé. Donc, on nous dit ensemble, Christ. Roi de l'univers, règne sur nous, ensemble. Christ, roi de l'univers, règne sur nous. Amen. Amen. La paix de Dieu, nous pouvons parler de la parole de Dieu par la parole de Dieu. Dieu croit en un seul Dieu.